أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد دونك غنتكلموا على لا طونسيون دان روسور، غنتكلموا على بوسي دارشميد. دونك اكزرسيس نيميرو 1، دونك اون كونسيدير ان روسور دو ريدور ك اي دو لونغور انيسيال، يعني الطول الاصلي ديالو اي لونغور انيسيال ال 0 ايكال 7 سنتيمتر. اون سيسبون à l'extrémité, يعني نعلق في هذه المؤخرة ديال الرسور، un solide S de masse égale à 400 grammes et sa longueur devient, يعني la longueur finale est réolée, هو 11 cm. Donc on donne G égale à 10 newtons par kilogramme, l'intensité de pesanteur. Donc le leadet, en utilisant la condition d'équilibre, montre que la rideur K du ressort égale à K égale à 100 newtons par mètre. Et donc, K égale à 100 newtons par mètre. La deuxième question, c'est on suspend au ressort une masse. Et donc, la masse est 600 grammes. Déterminer la longueur finale du ressort. Donc, on chauffe la longueur finale du ressort. Donc, l'exercice est un extrait d'un examen, bien sûr. Donc, maintenant, on immerge totalement. Donc, on va immerger totalement le corps. Donc, on va immerger totalement le corps de masse m égale à 400 grammes dans un liquide de masse volumique ρ. Donc masse volumique ρ. On remarque que l'allongement, donc avec delta L dielo, l'allongement du ressort est, donc delta L égale à 1,5 cm. Je vous mets à la figure. Donc figure 2. La première question, faire l'inventaire des forces agissant sur le corps S. La deuxième question, c'est déterminer l'intensité Fa, yani le poussé d'Archimède, donc la force d'Archimède. En déduire la masse volumique ρ du liquide, sachant que le solide est un cube homogène d'arête A égale à 2 cm. Donc le lidet fcro. حبسوا الفيديو نجزوا التمرين ورجعوا للتصحيح. دونك لوليدات لا كيستيون اون اوتيليزون لا كونديسيون ديكيليبر مونتري كو لا ريدور كا دو روسور ايغالا كا ايغالا 100 نيوتن بار متر. دونك لوليدات اول شيء فوالا لو روسور الفيد يعني ال 0 يعني الطول ديالو الاصلي هو ال 0. Donc, on chauffe l'olidette maintenant, le bilan des forces. Donc, on va faire le bilan de force. Donc, bilan de force. Donc, quelles sont les forces exercées sur le corps S? Bien sûr, quelle est la tension du ressort? Quelle est la tension du ressort? Donc, tension du ressort. Au karamzoulehab T. Donc, voilà T. Et le poids du corps S. Ça c'est le poids. Donc à l'équilibre le corps a soumis à deux forces. Donc les deux forces, donc la somme vectorielle de la force égale à vecteur nul. Donc ça veut dire que la tension, donc la tension, l'intensité de la tension égale l'intensité du poids, donc c'est P. Donc dans ce cas T égale à P, dans ce cas les deux forces ont même intensité, il y en a comme T égale à P, de sens opposé, donc P, donc B c'est vers le bas et T vers le haut, et elles ont même direction, voilà T égale à P. Donc le lead at flow court, on a T c'est quoi? C'est K fois delta L. Et P, c'est M
fois g. Donc à l'équilibre, k delta l, raquette il y a m fois g. Pourquoi? Parce que t égale à p. Donc t égale à p, ça veut dire que k fois delta l égale à m fois g. Voilà. Donc on a k. Donc on a k égale, c'est m fois g, elle a delta l. Donc m fois g, elle a delta l. Bien sûr, delta l, il y a L moins L0, donc c'est L moins L0, L, il y a 11 cm moins 7 cm, il y a 4 cm. L'idée, delta L, c'est de rejoindre le mètre. Bien sûr, rendre facha ou snaki jour, je l'enquête, mais là, mais là, donc c'est 0,04 mètres. Donc la masse, mensehèche, donc voilà. Donc, l'exercice, vous avez la masse, il y a 400 grammes. Donc, on a le kilogramme, il y a 0,4 kilogramme. Donc, le lit K égale, donc c'est 0,4 fois G, le canard fois, il y a 10 newtons par kilogramme, 10 newtons par kilogramme. On a la delta L, il y a 0,04 mètres. Donc le lidette il est subtenu, donc c'est 4 là, donc 4 la 0,04 newton par mètre. Et donc voilà K égale à 100 newton par mètre. Donc le lidette si on suspend au ressort une masse m égale à 600 grammes. Il y a une place de 400 grammes. On dit 600 grammes. Déterminer la longueur finale du ressort. Donc, l'idée, voilà. Là, par exemple, on a, par exemple, la masse, il y a 600 grammes. Donc, directement, on a T égale à P. T, ça, c'est K fois delta L. Bien sûr, car même constante de Rieder, même constante de Rieder, il y a mia, delta L, il y a un trier, il y a une delta prime, il y a un trier, il y a un compte, il y a L moins L0. Donc, il y a la longueur, il y a un arfnage final. Donc, égale à M fois G. Maintenant, dans ce cas, M, il y a 700 grammes, il y a un kilogramme, kilogramme, il y a 0,6 kilogramme. Donc, voilà la masse. Delta L prime, bien sûr, il y a واحد, on s'appelle L prime ou la L2 moins L0. Had L prime, il y a les renquêtes là-bas. L'idée de delta L prime, il y a la petite arme. Maintenant, on s'appelle L1. Delta L prime, il y a L1 naqis L0. Had voilà la longueur finale, on s'appelle L1, il y a la longueur. Donc, c'est ça la longueur finale. سميتها ال واحد كله يسميها باش ما سميتيها باش ماشي مشكل. دونك عندنا لا ماس ها هي لا ماس 600 غرام دونك 0,6 جي راه كتعرفوها. دونك دلتا ال بريم راه كتساوي ليا هي ام فوا جي لك هكذا ام راه هي 0,6 فوا 10 نيوتن بار كيلوغرام على كا اللي حسبناها هي 100. Donc, L prime, il y a L1 naqis L0. Donc, dans ce cas, on a pris L1, la longueur finale, c'est L1. Donc, moins 0L, il y a plus L0. Donc, 0,6 fois 10 sur 100 plus L0. L0, on a. بيان سور انتما كتشوفوها ال 0 راه هي 7 سنتيمتر ولكن نحولها للمتر باش نكون في سيستيم انترناسيونال. دونك دي 7 فوا 10 على بويسونس موان 2 بيان سور هادشي كله غنلقاه بالمتر. اذا كنحسب نعطي الكالكيلاتريس وغنلقى الوجه. دونك غدير الحساب ديالك غتلقى 0,13 متر اللي هي 13 سنتيمتر. بيان سور لقينا في الاول كانت عندنا في الاول 11 سنتيمتر دابا 13 سنتيمتر ملي كتكون عندنا ملي كنكون عندنا لا ماس هي 600 غرام. دونك فوالا لوليدات
Donc L1, la longueur finale, qu'on accroche un corps de masse 600 grammes. Donc tout le tâche, centimètres. Donc l'idée de sortir un de l'économie soit l'achat. Maintenant, on immerge totalement le solide. Donc le solide, on immerge, il y a un grand le macamel. Donc la masse d'elle aussi 400 grammes dans un liquide de masse. La masse volumique ou rho. Donc la masse volumique du liquide ou rho. Donc on remarque que l'allongement éolien de delta L est 1,5 cm. Il va faire l'inventaire des forces agissant sur S. Donc les forces, bien sûr, directement, le poids. Donc voilà le poids. Il y a la tension du ressort. Mais c'est la tension du ressort l'eau là, donc c'est une tension à T prime, donc voilà, Ramazli T prime, on a flèche. Ok, poussée d'Archimède, donc c'est la force exercée, donc poussée, pardon, poussée d'Archimède. L'écart Ramazli F, on dit A, poussée d'Archimède FA. Donc, Ada, voilà l'inventaire des forces, déterminer l'intensité FA de la force d'Archimède. Donc, bien sûr, Adna, le poids, donc il se dirige vers le bas. Poussée d'Archimède, elle se dirige vers le haut. Et la tension du ressort. Donc, la tension du ressort, par exemple, aléatoirement, c'est T'. O, le poussée. La part dont on a mené le corps, par exemple, par exemple. Voilà, donc la tension du ressort en T'. Ok, la force, ou là, la poussée d'Archimède, mène G vers le haut. Donc, on a FA. Donc, le centre d'inertie est G, donc pourquoi? Parce que le corps est émergé totalement. Donc FA. Donc le lidet, donc T, l'intensité de T' plus FA. Donc FA, P moins T'. Donc M. P M fois G moins T', alors il y a K fois delta L, je dis K, même K, delta L prime, delta L, il y a 1,5 cm, le mètre. Donc il y a 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc directement M, il y a 400, il y a 0,4 kg fois 10 newtons par kilogramme moins K, il y a 100 newtons par mètre, fois 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc le lit est le mètre va te mcher. Kilogramme à kilogramme va te mcher. On 4 newtons moins. Donc on a ici 10 à la puissance, bien sûr, à 100, 10 à la puissance moins 3. Moins 1,5 newton, donc à peu près 2,5 newton. Voilà la dia FA. Donc la troisième question, en déduire la masse volumique rho du liquide. Donc lui dat flow cours, FA c'est quoi? C'est rho du liquide fois le volume du corps émergé fois G. Donc le lidat rho du liquide هو اللي قال لنا هنايا غنتكلموا على هذا rho ديال الليكيد اللي بغيناها. دونك rho du liquide راه كتساوي ليا هي FA على le volume de corps immergé fois G. دونك application numérique FA لقيناها هي 2,5 نيوتن على le volume du liquide. راه عطاني le volume c'est A à la puissance 3. Maintenant, le cube, pas le cube, l'arrêt dialogue, le côté dialogue, ou A. Donc,
A donc c'est 8 centimètres cubes. Donc il y a 8 centimètres cubes, il y a le volume, il y a 8 centimètres cubes, fois G, il y a 10 newton par kilogramme. Donc l'olidat, le gramme. Donc c'est 1000 grammes. Et donc, je vais vous le gramme par centimètre cube. Je vais vous le kilogramme, le gramme. Donc, il y a 10 par 10. Donc, il y a 100. Donc, il y a 250 à 8 grammes par centimètre cube. Et donc, il y a 31. Donc, 31,205. Donc, il y a donc presque 31 donc grammes par centimètre cube donc elle est très bizarre donc au haut donc tel liquide donc il a remis un tel vidéo donc tout salamine wassalamu alaikum wa rahmatullah.